La Corée du Nord en ordre de combat. Pyongyang menace une nouvelle fois de frapper les États-Unis et a demandé à son armée de préparer ses missiles et son artillerie à longue portée. Selon une agence de presse nord-coréenne, organe du régime de Pyongyang, les unités stratégiques se tiennent prêtes à attaquer toutes les bases militaires américaines dans la région Asie-Pacifique, y compris sur le continent nord-américain, les îles d'Hawaï et de Guam. La semaine dernière, la Corée du Nord avait déjà menacé de s'en prendre aux bases américaines en réponse au vol de bombardiers B-52 au-dessus de la Corée du Sud. Ce nouvel avertissement de Pyongyang ne semble pas inquiéter plus que ça son voisin du Sud. Séoul assure qu'il n'y a pour le moment aucun signe d'action militaire imminente de l'armée nord-coréenne. Quant aux experts, ils jugent que la Corée du Nord est loin de maîtriser la technique requise pour lancer un missile intercontinental capable de frapper les États-Unis.